les conducteurs plus âgés sont parfois mal vus des plus jeunes. Trop lents, trop hésitants, pas assez au courant des nouvelles règles du code de la route sont quelques clichés qu'on entend souvent à leur sujet. La réalité, bien entendu, est certainement beaucoup plus nuancée que cela. Ce qui n'empêche pas l'IBSR de mettre un test à leur disposition afin qu'ils puissent auto-évaluer leur capacité à la conduite et prendre ensuite les décisions qui s'imposent. Alors ce test, qui est finalement un questionnaire, c'est avant tout un outil de sensibilisation dont l'objectif est vraiment d'attirer l'attention des seniors, certes, mais également du monde médical, par exemple, sur la nécessité de vérifier régulièrement ses capacités de conduite. Et ce test peut aider les seniors à le faire. Il faut savoir qu'en Europe, plus de 10 pays imposent un examen médical à partir d'un certain âge. L'IBSR est totalement opposé à ce genre de système. Toutes les études montrent que le rapport coût-bénéfice est très faible, à savoir que ça coûte très cher et qu'il y a une petite minorité finalement de seniors qui posent vraiment de problèmes. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est non seulement très stigmatisant, mais en plus, une partie des seniors vont se détourner de la voiture pour choisir le vélo ou la marche à pied. Et dans les statistiques, on voit que c'est justement à vélo ou lorsqu'ils sont piétons qu'ils courent le plus grand risque. Donc ça pourrait avoir un effet contre-productif sur la sécurité routière. Les personnes âgées respectent mieux les limitations de vitesse, 50 km/h, 30 km/h. Ouais. Mais on se fait klaxonner, on se fait dépasser où il ne faut pas. Mmh. Et c'est là qu'il y a un problème pour moi, que le bas blesse. C'est plutôt les jeunes qui sont agressifs vis-à-vis de nous, qui veulent faire des excès de vitesse qui ne servent à rien, quoi. Parce qu'ils dépassent en trompe et puis... Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, les plus âgés, ils bloquent la circulation, c'est dangereux, il faut les doubler, tout ça. Mais moi, je pense que c'est moins dangereux quand tout le monde m'a vu. Il y a des jeunes avec les casquettes arrière, là, ils me font peur. Ah oui. Pourquoi ils roulent trop vite ou... Trop vite, oui, oui. Mais les gens âgés, ils roulent peut-être pas assez vite. Un mélange des deux, alors. Voilà. Il n'y a pas de raison objective de stigmatiser les seniors. Lorsqu'on regarde les courbes d'accidents, on voit clairement un pic pour les conducteurs de 18 à 30 ans, grosso modo, et ensuite ça baisse. Certes, le risque d'être impliqué dans un accident mortel augmente à nouveau à partir de 75 ans, mais c'est essentiellement dû à la fragilité, à la vulnérabilité des seniors, plutôt qu'à leur conduite soi-disant dangereuse. Stigmatiser tous les seniors est bien entendu injuste, déjà parce que tout le monde ne vieillit pas de la même manière. Ceci dit, un conducteur âgé doit aussi faire attention aux petits signes qui lui montrent que sa conduite n'est peut-être plus aussi sûre et assurée qu'auparavant. Et là, passer le test de l'IBSR est déjà sans doute un premier pas dans la bonne direction. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'amende minimale pour un enfant non attaché en voiture est de 165 euros. A gagné cette semaine une platine USB Lenco. La question ? Ce signal interdit l'accès au transport de matières dangereuses, aux semi-remorques ou à tous les camions. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Quand un véhicule vire à un carrefour, il doit faire en sorte de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers qui viennent de la voirie sur laquelle il s'engage. Pour cela, il doit si possible virer court quand il tourne à droite et large quand il tourne à gauche, de manière à ne pas mordre sur l'autre moitié de la chaussée. On constate plus souvent des problèmes lorsque des véhicules virent à gauche. Les conducteurs de ces véhicules ont parfois tendance à couper au plus court et risquent de percuter d'autres véhicules qui arrivent au carrefour en même temps qu'eux et qui sont pourtant correctement positionnés sur leur côté de la chaussée. Bref, le plus court chemin n'est pas toujours le meilleur. Bonne route et à la semaine prochaine.